Bien, donc on est dimanche, j'étais parti pour faire un simpepe lava, pétrolier, enfin, planté, je ne sais pas pourquoi, peut-être lié à la météo. Donc je viens de désactiver la météo, non, recommence, mais j'ai perdu 20 minutes. Donc vu l'heure, c'est pas la peine de penser faire la nave beaucoup trop tard. En attendant, on va faire un petit local rapide. Donc c'est parti. Alors, il n'y a pas plus de d'accord. La batterie, la pompe. Ici. Donc là, pour le coup, je fais pas de radio. Ok, ça passe en vert. Alternateur. Avionique. Donc 125.025. J'ai écouté la tisse tout à l'heure. On était avec l'information IA, mais on s'en fiche. Est-ce que j'avais mis les lumières? Non. Voilà. Maintenant, elles y sont. Ça sert à dès qu'on passe sur le visuel vers l'est là. Ici qui est bon, j'y tiens, c'est vers l'ouest aussi. Donc là c'est comme tout à l'heure, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est autour, on voit rien. Enfin. Voir si ça se replante comme tout à l'heure. Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose par là qui perturbe. Une météo personnalisée. Alors, la pompe, un cran de volet, on fait les essais, les checks, les figs plutôt, et on a l'autorisation de la tour, on part. Frein. On roule. C'est là que ça s'est planté. Directionnel. Voilà, c'est bien. L'altitude elle est bonne. Alors on a un cran, une pompe. Les deux phares normalement sont mis, plein gaz. Pas de voyant, pas d'alarme. Le badin actif déjà 100 km/h.
Bon, la route s'en va. J'avais demandé des stratus, il y a des stratus. Excellent, peut-être qu'il est demandé. Alors, qu'est-ce qu'il dit le voilà. Ok. Les zéro, pompe, réchauffe, pas, arme. Off. D'accord. On part pour 1400 pieds. Qui traque quand même c'est 1400. Voilà. On vérifie qu'il est bien compensé. Une fois que je l'avais compensé tellement bien qu'il bronchait pas. Il arrive à nouveau là aussi. Alors, on cherche des points de repère. Je dirais que j'ai un peu trop sur la grande ville. J'ai pas noté le top. Damned, ça fait 3-4 minutes qu'on est parti. C'est-à-dire qu'il était 24, ça fait 3 minutes. Presque compensé. Ah, là-bas on voit mettre ici. La triche ça. Un peu trop dessus peut-être.
Alors là, je fixe un peu la situation histoire d'observer la carte. Évidemment, on n'est pas bien préparé. Ok, là je vais prendre. Mince. Voilà, 30 secondes de perdu, ça fout. Merci, tiens. À partir de là, je crois qu'on peut commencer à monter à 2000 pieds. En tout cas, il y a un peu de chemin de fer sur la carte. Et disons parallèle à la ligne de chemin de fer, je monte à 2000 pieds. Et ensuite, je regarde. En principe, on monte normalement. Bon, 2000 pieds, on est déjà arrivé. Hop, croisière. On recherche le point. Là, j'en profite pour regarder la carte. Vite fait, bien fait. Évidemment, pour ce soir, j'avais prévu le final, donc là je suis pris sur la figure. La bonne nouvelle, c'est qu'on devrait aller à Coulommiers. La grande route là-bas, le village. Je suis sur quel cap là, 40. Un petit coup d'œil sur la carte. Celle-ci. Ok, je suis assez d'accord. Et là, je vais peut-être pas assez à l'est. Dans le quart. Est-ce que tu as vu avant Coulommiers? Ouais, je crois que je le vois là-bas. Coulommiers de Fox Golf, novembre, novembre Alpha, bonjour. Le Fox Golf novembre Alpha NDR 400, 2200 pieds, alors, vue de vos installations pour le vertical terrain, 2000 pieds. Je rappelle, vertical.
Donc tout à l'heure, je suis parti un poil trop tôt pour monter. Donc là, cette fois, j'ai installé une piste. Ouais. Coulommiers, Fox Golf, novembre, novembre, alpha, verticale installation, demi-pied, pour une prise de cap 270 vers Logne. Je suis pas mis sur la fréquence, à dire. Forcément, je la connais pas. Ah, sur la carte. Voire 250, c'est pas bien. A priori, on devrait avoir un petit peu de vent qui nous pousse. Comme 114, c'est 122 nœuds la fréquence, c'est le bord, évidemment 112,9. Ah bah j'y suis sur le bord 112,9. J'y suis. Coulommiers, Fox, novembre alpha en sortie de votre circuit. Bonne fin de journée, au revoir. Ah ben voilà, il était là. Et à partir d'ici, on redescend. Cherche 1200 pieds. Quelque part à droite là. Je pense. Ah, c'est ça l'autoroute. Il fait descendre. Dix-sept FPS.
Je remets les phares. Pieds. Logne de Fox, Golf, novembre, novembre, alpha, rebonjour. Donc là, il nous balance un transpondeur. Transpondeur 3742. Fox, novembre, alpha, 2 minutes, du point écho. Donc il nous demande, on rappelle le point écho, Fox, novembre, alpha. On voit déjà l'ogne à l'autre bout là-bas. Donc aujourd'hui on part sur une 08. J'ai pas dit que j'avais l'information golf. Ça va faire un énorme temps. Donc ça aurait dû être l'ogne de Fox Golf, novembre, novembre alpha, rebonjour. Alors avec l'information golf, bonjour, il nous donne le transpondeur et on rappelle à Echo. Echo. Logne du Fox Golf novembre alpha, nous passons Echo. Nous entrons, on rappelle en début de vente arrière. Réchauffe. Logne de Fox Golf novembre, novembre alpha en début de vente arrière. Numéro 1 sur la 08 dure, rappel en finale. Là, ils sont où les 1200 pieds? Là, puis on stabilise. 2000 pieds, 2000 tours, on trim. On passe dans l'arc blanc.
1200 pieds, un cran de volée. Donc un cran de volée, la pompe, la réchauffe, les phares, un check. Pas une lâche seconde. 1100 pieds, on ne sent pas tomber. Prenez des cartes. Décidément. Pour lui, l'altitude de référence, c'est 1100, pas 1200. Ah ah ah. C'est drôle, on a le premier lac. Voilà, là c'est mieux. Ok, c'est bon. J'ai rêvé le lac. Je suis pas assez sûr. Ici, il est où mon damier? En tout cas, c'est maintenant qu'il faut commencer à virer. Ici, 600 tours. Je suis déjà allé un peu loin. C'est pas trop mal. Ils sont pieds. On s'aligne sur la piste. Deux crans de volée, la pompe, la réchauffe, les phares, un check. Fox November Alpha en finale 0,8 dur. Vitesse, axe, plan. Un peu bas, pas dans l'axe. Numéro 1, 0,8 dur, Fox November Alpha. 600 pieds, on est presque bon. Rapide dans l'axe, plan 130. Je réduis lentement. Principal, train avant et on laisse rouler. Oh là là. On enlève la réchauffe, on coupe la pompe, on laisse les phares de roulage, on remonte les volets et on bascule sur le sol. 0,8 dur dégagé, Fortuna en Alpha demande roulage au parking Sally pour quitter. On roule et on quitte à Sally. Bonne fin de journée, au revoir.
420 à light. Bon ben voilà, c'était la simulation de la première nave solo. Je me suis pas perdu, c'est déjà pas mal. Ça serait bien que je le fasse mardi maintenant. Bon, alors... Je vais étudier ça, tiens. Une fois que. Ok. 30 par. On coupe. Et consommation. Clac. C'est pur. Oups. On sèche, on éteint tout. J'avais pas éteint l'alternateur. Et on regarde l'horamètre qui indique 50. Allez, hop. On rate. Très bien. Et de vie carbu, il est quoi? Ah ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut encore avec ça? Sauf que là, je voulais simplement ouvrir la fenêtre. Ça marche plus. C'est bizarre ça. Et voilà pour terminer cette petite session. Il est 52. Ouais, ça doit faire à peu près une demi-heure. Hein. Alors, débriefing. On est parti, on a fait ça. Décollage. Un peu tard, la prise de route. Enlever ça. Ensuite, ici. On est passé au-dessus du lac, la voie de chemin de fer. Ah, donc on a ça. Fontenay-Trésigny, là. Donc on a bien vu la voie de chemin de fer, on est, j'ai dit que je l'allongeais. Je m'en suis servi comme repère sur la carte 500 millième pour voir que Colomiers c'était derrière ça. D'où après, le choix d'obliquer un petit peu plus par là, pour être sûr de pas passer trop devant le terrain. Ça a payé, demi-tour, et ensuite, circuit de retour. Ah ouais, dis donc, la trajectoire a été moyenne, hein, j'étais pas du bon côté. Bon, normalement, on reste plus de ce côté-là, disons. Ça, c'est le point écho. On arrive vite ici, début de vent arrière, trajectoire, ouais. Bah, j'ai pas vu, donc on avait des lacs là, j'ai pas vu mon repère, où est-ce qu'il est?
Bâtiment H, je sais pas, mais en tout cas, direct sur V de la forêt, alignement, et retour au bercail. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal, mais c'est pas à moi de le dire. Voilà la nave complète. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.